Alors, euh, allons-y. Alors, bon, bon midi à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Content de vous revoir en personne, sans blague. Hein? Je, je, je le pense sincèrement. J'espère que, que vous êtes content d'être là. Il y a des avantages, des inconvénients, mais. Euh, je, je vais faire de mon mieux pour que ça se passe là, de façon agréable en classe, puis au moins qu'on tire un petit avantage, euh, qu'on trouve ça plus agréable à tout le moins que, que, que sur Zoom. Donc, euh, je ne vous commenterai pas ou je ne ferai pas de commentaire sur la démarche pédagogique, vous la connaissez très bien. Euh, J'ai des cartons ici, j'aimerais ça que, comme je l'avais fait en fiscalité 1, vous donnez un carton à chacun, puis que vous m'indiquez votre prénom. Je vais vous demander de les faire circuler. Donc, le, ce petit carton-là, vous pourriez le garder, puis le mettre. De mettre euh, sur votre bureau à chaque euh, séance. Quand je m'adresse à vous, je trouve ça le fun de, Pardon, je vais pas trop Maurice. Je trouve ça le fun de pouvoir euh, m'adresser à vous par votre prénom. Si vous l'oubliez, demandez-le moi. Je vais avoir des cartons en ma possession à chaque semaine. Je laissais quand même pas mal vos, euh, vos, vos, vos prénoms. C'est bien parti. Donc, aujourd'hui, on va faire la même chose que dans les semaines passées. Donc, je vais vous montrer un peu les grands thèmes dans le volume qui sont en matière à aujourd'hui. Euh, et on va passer l'essentiel du temps sur un problème qu'on va résoudre ensemble. Je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit, mais je veux juste le réitérer. Le problème qu'on fait en classe, il fait partie de la démarche, pédago de la démarche pédagogique. C'est de la matière première à apprentissage. Je ne m'attends pas à ce que personne soit capable de faire ça facilement. On, on est en train d'apprendre la matière de la semaine, puis moi j'utilise ça pour pouvoir vous donner des, des explications après. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit difficile. N'hésitez pas à me poser des questions, ce que vous ne faisiez pas sur Zoom parce que ce n'était pas possible, mais là, je vais me promener dans, les, dans, dans, dans la salle. S'il y a une chose que tu ne comprends pas, Monet, tu lèves la main, puis j'arrive à toi individuellement, je suis capable de te donner une super bonne explication. Mais c'est mission accomplie. Si tu dis crème, OK, j'ai compris là, c'est expliqué comme ça, ça c'est mieux. Mission accomplie, je te l'ai expliqué à, à toi parce que toi, tu en avais besoin. Des fois, c'est personnalisé. Hein, des, chacun n'a pas nécessairement besoin des mêmes explications. D'autres explications sont plus magistrales à la fin quand on fait la résolution. Si c'est suffisant pour vous, euh, puis que vous comprenez bien à la fin de, de la séance, c'est mission accomplie. Je, et l'autre chose que je veux vous dire, c'est en lien avec les problèmes à résoudre après le cours. Je ne veux pas vous répéter qu'il faut en faire, que c'est important de les faire, mais c'est le même esprit. Ça aussi, ça fait partie de votre démarche d'apprentissage. Ça aussi, quand vous ouvrez un problème de la BQI en fiscalité, je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de le résoudre. Non, il y a encore des choses à apprendre. Il faut encore retourner voir dans le volume, aller voir le sol, la, la solution. Telle chose a été faite comme ça. On est encore en train d'apprendre quand on fait un problème de la, de la BQI en fiscalité. Ce n'est pas évaluatif. Je ne vous demande pas de me les remettre. Donc, si vous passez trois quarts de votre temps dans une semaine dans les problèmes, 75 de votre temps, par exemple, et de, de votre temps et de votre énergie, vous le consacrez aux problèmes à résoudre, c'est correct. Puis pendant ce temps-là, vous apprenez. Je ne suis pas en train de vous évaluer, vous apprenez. Donc, c'est vraiment à la fin de tout ça, là. le avant le cours, le pendant le cours, le après le cours, que tu qu un problème de la BQI en fiscalité, ça fait deux, un, deux, trois problèmes que tu fais, que tu, tu prends de la vitesse, tu développes une façon de, 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 de présenter ta solution. C'est ça qu'on qu qu recherchait. Donc, soyez, euh, soyez tol tolérant envers vous-même, puis voyez -les, voyez ça comme du euh, passer à travers tout, tout ce processus-là. À la fin de la semaine, c'est ce qui fait que vous devriez pas mal comprendre le thème de la semaine. Bon, écoutez, je pense que je l'ai dit de différentes façons. Là. Donc, euh, fameux, le fameux plan de travail, vous le voyez ici. Donc, euh, semaine 4, il y avait du travail avant, avant, avant le cours. Je suis bien conscient que c'est léger, que ce n'est pas suffisant pour, être, pour euh, être autonome dans le travail de la journée, mais minimalement pour tout, minimalement que tu saches quoi porte le sujet de la journée, que tu saches dans le volume où trouver tes éléments pour être fonctionnel dans le problème que l'on va faire aujourd'hui. Donc, voilà. Euh, C'est des fiches à outre qu'on va avoir en fin d'après-midi et les problèmes à résoudre. Je, je, je vous rappelle aussi que l'enregistrement le, va être mis ici. Donc, même quand on est en classe, rappelez-vous, l'enregistrement fonctionne. Je suis en ce moment sur Zoom en train de m'enregistrer. Donc, euh, les, les cours vont aussi être, les, en, les enregistrements vont être aussi disponible là, pour tous les cours à venir. Dernier petit commentaire, la semaine passée, ça c'est le, 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 le plan de travail de la semaine passée. Vous voyez le lien vers l'enregistrement. Je vous rappelle qu'à la fin du cours, j'ai manqué de temps, malheureusement, pour faire mon enseignement magistral sur les règles d'attribution. C'est le dernier thème du sujet 1, le fonctionnement des règles d'attribution. Je n'ai pas eu le temps de le voir avec vous jeudi passé. Donc, je vous ai dit que j'allais m'enregistrer comme si vous étiez là. Puis que j'allais m'enregistrer en train de donner l'enseignement magistral pendant 15-20 minutes, le temps qui m'a manqué. Donc, allez l'écouter, il est là. Allez voir la, dernière, la, la fin de l'enregistrement. Vous allez avoir ce que j'avais à vous dire, finalement, sur les règles d'attribution. Puis là, je disais avez-vous des questions Personne ne répondait. C'était comme, si, comme si vous étiez là. Je fais des blagues. C'est bon? OK, alors euh, s'il n'y a pas de questions, on va aller voir le sujet de la semaine. On s'attaque au sujet 2, c'est le dernier. Dire il n'y a, a pas beaucoup de sujets à l'examen. Je hein? ne dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de matière, mais il y a deux sujets. Donc, le sujet 1, le sujet 2. On va passer deux semaines sur le sujet 2, puis on va, on va terminer la matière à examen. Donc, euh, la première partie de la table des matières, vous voyez ici. Finalement, on va voir aujourd'hui aujourd toutes les règles générales en matière d'amortissement. Donc, en fiscalité, c'est quoi les taux d'amortissement qu'il faut appliquer, les méthodes d'amortissement, quel bien va être amorti avec quel taux. Euh, donc, pour en finalité, euh, aller placer dans le calcul du revenu d'entreprise, plus précisément dans la conciliation, aller placer vos, vos, vos déductions pour amortissement auxquelles vous avez droit. Donc, la semaine prochaine, on s'intéressera à des situations particulières. Que euh, je, je vais aller vous montrer page par page le, le, ce qu'on va avoir de besoin pour le travail d'aujourd'hui, mais ça, je trouve que des fois, ça a l'air compliqué pour rien, ça, de l'amortissement, dans le sens que vous avez tous déjà fait un cours de comptabilité, puis vous avez tous appris en comptabilité que si une entreprise acquiert, par exemple, une bâtisse, 20 millions dans, dans l'année 1, elle ne prendra pas le 20 millions pour le passer en charge au complet la première année. Le comptable va dire ça, c'est un bien qui est capitalisable, qui va avoir une utilité sur plusieurs années. Donc, on le met au bilan, puis on prend une partie du coût, puis on le passe en charge à chaque année par l'amortissement. C'est la même affaire. La même, même affaire. Juste qu'on comprenne ça. Là, euh, vous savez tous c'est quoi l'amortissement? C'est juste les méthodes, les taux qui varient un petit peu. Euh, Rabattez-vous sur vos, vos grands réflexes. Que vous avez déjà, je sais, dans un cours de comptabilité au Cégep, vous avez sûrement déjà pris de l'amortissement, c'est le même principe. Il ne faut juste pas perdre ça de vue. Bon, alors, euh, donc, on est toujours dans le calcul du revenu d'entreprise, finalement, parce que dans le fond, c'est une des déductions du revenu d'entreprise qui nous intéresse. Donc, plus précisément, comme vous pouvez voir ici, dans le revenu d'entreprise, il y a des situations où on peut abaisser le revenu d'entreprise avec des déductions, puis il y a des cas un peu, un peu rares là, où on va augmenter le revenu d'entreprise avec une inclusion. Parce qu'en finalité, sur chacun de nos biens amortissables ou sur chacune de nos catégories de biens amortissables, il y a trois finalités possibles. Donc, pour une catégorie d'amortissement donnée, soit on peut déduire une DPA, soit on peut déduire une perte finale, ou soit on doit inclure ce qu'on appelle une récupération d'amortissement. On va tout expliquer ces termes-là aujourd'hui, mais vous comprenez que c'est les trois finalités possibles. Donc, euh, je vais juste vous montrer un petit compte en T, de façon... Euh, je suis rendu à la page 130 de votre volume. Donc, dans le fond, ici, j'ai illustré un compte en C'est très, très... C'est enfantin, des fois, des dessins, c'est... C'est comme ça qu'on comprend le mieux pour des biens qui sont des biens, de, qui sont des biens de catégorie 8 et donc qui sont amortissables au taux de 20 Donc, dans le fond, c'est un, un peu, je pense, la meilleure façon de, de comprendre le fonctionnement d'une catégorie d'amortissement. On a un contenté. À gauche, les éléments qui l'augmentent. À droite, les éléments qui le diminuent. D'accord? Puis, euh, Puis se contenter là, on l'a pour chaque catégorie. Vous allez voir que les, les, tous les biens amortissables s'en vont dans à peu près 20 ou une vingtaine de catégories. Catégorie numéro 1, numéro 3, numéro 8, numéro 10, on les verra aujourd'hui. Mais essentiellement... Chaque bien doit être placé dans une catégorie d'amortissement, puis il y a un taux d'amortissement qui est attaché à la catégorie. Donc, je vous donnais ici l'exemple d'une catégorie 8 avec un taux d'amortissement de 20 pour tout ce qu'elle qu contient. Premier constat, d'accord, il faut comprendre que la catégorie 8, ça fait longtemps qu'elle existe. Si j'ai une entreprise qui est en opération depuis 30 ans, ben dites-vous que ça fait 30 ans qu'on met des éléments à. On augmente des éléments dans la catégorie 8 ou qu'on en retranche. Donc, des plus puis des moins, là, dans la catégorie 8, il y en a eu une panoplie depuis le début, depuis l'instauration de l'entreprise. Ça, il ne faut pas le refaire. Tout ce qui est en lien avec les années précédentes, on s'en fout. Nous, on va se concentrer seulement sur l'année courante. Donc, l'année courante, c'est la partie qui est en bleu ici. Et dans mon année courante, j'ai besoin de trois informations qu'on va trouver dans les documents comptables. Trois informations, pas dix, trois. Première information, quelle était la FNAC à la fin de l'année d'imposition précédente? Donc, autrement dit, dans les années d'imposition antérieures, tu as fait des ajouts dans la FNAC, tu as fait des retranchements dans la FNAC. On appelle ça la FNAC en passant, hein, la fraction non amortie du coût, donc ce qui reste à amortir, dit en d'autres mots. Donc, moi, je ne veux pas savoir tous les ajouts, tous les retranchements que tu as fait. Donne-moi le solde. À la fin de l'année passée, il y avait combien dans ta catégorie? Vite? On va partir de ça. Deuxième information que j'ai besoin. Cette année, as-tu acquis des biens qui doivent être classés en catégorie 8? Donc, des mobiliers, des équipements, on, les, on le verra. La catégorie 8, c'est ce genre de biens-là. Donc, si tu as fait des acquisitions cette année qui vont en catégorie 8, on va le mettre en plus. Et la troisième information que j'ai besoin, cette année, as-tu vendu des biens de catégorie 8? Disposer, ça veut dire vendre. C'est les trois seules informations. Plus précisément, ici, j'aurais besoin de deux chiffres. Donc, si tu as vendu un bien de catégorie 8, un, je voudrais savoir le prix que tu l'as vendu, c'est ce qu'on appelle le produit de disposition, et deux, je voudrais savoir ce bien-là que tu as vendu cette année, puis que tu as vendu, par exemple, pour 1000 dollars, c'était quoi son coût d'origine À l'époque, quand tu l'as acheté, tu l'avais payé combien Donc, je vais chercher son coût en capital, si vous préférez son coût d'origine. Et on va, on va toujours prendre le plus petit des deux. Donc, le plus petit entre le coût et le produit de disposition, c'est ce montant-là qu'on va venir retrancher de la, de la, de la catégorie. Donc, c'est tout. Fnac de début, acquisition, disposition. Il n'y a rien d'autre. Donc, à la fin de l'année, ça, ça va vous donner un sous-total. Ce que j'appelle dans le livre, euh, j'ai inventé ça. Ce n'est pas une grande invention, une Fnac partielle. Donc, l'état de ta Fnac juste avant que tu prennes ton amortissement. Et à partir de cette situation-là, il y a trois finalités possibles, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, si ta FNAC plus tes acquisitions moins tes dispositions te donne une FNAC positive, pardon, ici, donc tu as plus d'éléments à gauche que d'éléments à droite dans ton compte, ta FNAC, elle est positive, il y a deux situations qui peuvent arriver. Soit tu vas prendre de la DPA normalement, donc tu vas tout simplement utiliser le taux de ta catégorie qui est ici. De 20 et tu vas l'appliquer sur ta FNAC partielle. Ou l'autre finalité possible, ce serait de prendre une perte finale. Donc, la perte finale, ce serait de prendre la FNAC partielle au complet et la passer en déduction, mais non pas 20 d'eux. Et la troisième situation possible, qui est quand même assez rare, imaginez qu'à la fin de l'année, ta FNAC, plus tes acquisitions, moins tes dispositions, donne un montant négatif. Quand une FNAC à la fin de l'année est négative, automatiquement, ça veut dire qu'on a pris trop d'amortissement dans le passé et on doit redonner de l'amortissement pris en trop. Ça s'appelle la récupération d'amortissement. On va l'étudier euh, aujourd'hui. Donc, c'est ça les trois finalités possibles. Il n'y en a pas d'autres. Donc, soit on déduit une, un amortissement normal ou une perte finale ou on s'impose sur le contraire d'une perte finale. Le miroir, ça s'appelle une récupération d'amortissement. OK. Donc, vous euh, voyez les petits boutons ici, là, ça fait juste référence à vos, euh, à vos numéros dans le volume. Donc, si vous voulez voir comment ça marche, les acquisitions, les dispositions et, euh, et ainsi de suite, vous avez les numéros. Donc, les acquisitions 3.1. Vous irez voir ça. 3.2, au niveau des dispositions. Donc, comme on, comme on avait dit, il faut retrancher le plus petit du prix que tu as vendu ton bien ou le prix que tu l'avais acheté. Puis aussi, il faut faire attention, il y a un deuxième calcul à faire. Il faut savoir que quand on vend un bien amortissable, on vend une immobilisation. Donc, automatiquement, ça va aussi générer un calcul de gain ou de perte en capital. Parce que s'il fallait qu'on vende un, gain, un, un bien amortissable plus cher qu'on l'a acheté, ce fameux profit-là, ça s'appelle du gain capital. Il va falloir déclarer un gain capital imposable s'il fallait qu'on vende à profit un bien amortissable. Il n'y a jamais de perte en capital, par exemple. Donc, si, la plupart du temps, vous allez acheter un bien amortissable et il va perdre de la valeur et la plupart du temps, vous allez le vendre moins cher que vous l'aviez acheté. Donc, dans 99 des cas, c'est une perte en capital qui va être réalisée et on ne peut pas la déduire. Donc, les pertes en capital sur la vente de biens amortissables sont toujours, toujours non déductibles. On ne peut pas les mettre dans le rapport d'impôt. Il y a une raison pour ça, là, on en parlera plus tard, mais le gain, lui, est imposable. La perte, on ne l'accorde pas parce qu'on l'accorderait en double. S'il fallait qu'on vous accorde des pertes en capital déductible quand vous vendez des biens amortissables, la même perte serait à la fois allouée sous forme de perte en capital déductible et allouée sous forme d'amortissement. Je pourrais vous le démontrer. Donc, on ne veut pas ça. C'est logique. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais je vous rappelle que si par hasard vous vendez un bien plus cher, il faut l'imposer, le gain. Il n'y a rien qui prévoit qu'on n'impose pas le gain. Oui, Maurice? Oui. Non, 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 c'est juste comme pff, on l'oublie, on fait comme si elle n'existait pas. Elle ne s'en va pas dans une banque, Maurice, tu as raison. Troisième point, la DPA. Comment prendre la DPA? Comment calculer la, la DPA sur chacune des catégories? Donc, ma première finalité, la, après ça, on va parler de la perte finale et après ça, on va parler de la récupération d'amortissement. Donc, vous avez ici les principales catégories d'amortissement en vigueur. Donc, euh, vous prendrez le temps de les lire. C'est celles qui vont être euh, matière à notre, à notre examen. J'en ai ciblé une vingtaine de catégories. Ça se tient sur deux pages. Donc, catégorie 1, ça on voit qu'est-ce que ça comprend, les bâtiments 3, euh, 8. 10, 10.1, 12, 14.1, 16, 7, 30, pardon. 17, 38, 44, 50, 53, 54 et 55, 13 et 14. Voilà, c'est les catégories qui sont en vigueur pour, cette, pour le cours. Il y, il y en existe d'autres dans la vraie vie, et comme, mais on les verra pas. Euh, mais ça, pour les gens, je vous dirais là, que 95% des catégories sont, les, qui s'appliquent aux entreprises, ils, elles sont là. Vous avez le taux d'amortissement qui est aussi applicable à chacune des catégories, bien sûr. Et ce qu'elle contient. Euh, L'incitatif à l'investissement accéléré, on va le pratiquer beaucoup aujourd'hui, c'est une règle qui prévoit qu'on va donner un, 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 dire un boost, mais un surplus d'amortissement l'année où tu un bien. Donc, ce que la règle dit, là, on va la mettre en pratique, mais l'année où tu acquiers un bien, exceptionnellement, cette année-là, on va te donner un peu plus d'amortissement que le taux prévu dans ta catégorie. Donc, si ton bien est en catégorie 8, qui normalement est amortissable à 20 exceptionnellement, la première année, sur ton acquisition, ce n'est pas 20 le taux d'amortissement qu'on va t'accorder, c'est 30 On va augmenter de 1,5 le taux d'amortissement. Donc, pour là, il va être de 30 exceptionnellement la première année. Ensuite, dans les années suivantes, il va retomber à 20 pour euh, les biens, là, mais c'est vraiment particulier à la première année. Comme son nom l'indique, c'est une mesure qui veut, euh, qui veut aider les entreprises à faire des investissements. Donc, on veut encourager les entreprises à investir dans des nouveaux biens amortissables en leur permettant un peu plus d'amortissement la première année. Vous comprenez que plus on a d'amortissement, plus on abaisse notre revenu, puis plus on abaisse le revenu, moins on paye d'impôts. C'est pas mal euh, la situation idéale pour les entreprises. 3.3, on va en reparler, 3.4 aussi. Finalement, les deux, deux dernières finalités, je, je vais juste en, je, On va vraiment. Ça me donne rien de vous les expliquer sans, sans donner. Ce sont des mécanismes d'ajustement. Donc, lorsque l'on. Dans certaines conditions. Je vais dire ça. À un certain moment dans la vie d'une entreprise, il faut régulariser l'amortissement qui a été pris dans les années antérieures. C'est très approximatif, hein, l'amortissement qui est accordé, c'est des taux estimatifs mis en place par le gouvernement. Des fois, ces taux-là sont trop généreux, des fois, ces taux-là ne sont pas assez généreux en fonction de la perte de valeur réelle de ton bien. Donc, on en reparlera, mais... À un moment donné, le gouvernement a dit OK, ça se peut que le taux d'amortissement que je t'ai permis sur tes équipements ne soit pas assez généreux. Je me rends compte que tes équipements ont perdu beaucoup plus de valeur que ce que j'avais estimé. Donc, dans ce temps-là, il y a un mécanisme d'ajustement qui va s'appliquer, soit la perte finale ou la récupération d'amortissement. Les deux fonctionnent de la même façon, c'est juste qu'un est le contraire de l'autre. Donc, une perte finale, c'est un contexte où on n'a pas assez pris d'amortissement sur nos équipements et à un moment donné, le gouvernement dit Ouais, il faudrait que je te donne de l'amortissement un peu, en, en, euh, il faudrait que je corrige ou que j'ajuste en te donnant un, une, un montant d'amortissement supplémentaire. Donc, c'est pour ça qu'on peut déduire une perte finale. Et le, il existe le contraire, qui est une récupération d'amortissement. Il arrive des fois que le gouvernement dit « Oh boy, le taux d'amortissement que je t'ai accordé, il est beaucoup trop généreux. Tu as passé beaucoup, beaucoup de DPA sur ton bien, puis je me rends compte que ton bien, il n'a pas perdu tant de valeur que ça. » Donc là, il va corriger à l'inverse, puis il va vous demander, ou au contribuable, de redonner, si on veut, l'amortissement pris en trop. C'est pourquoi une récupération d'amortissement, c'est vraiment un montant qui va venir euh, euh, inclure, Augmenter le revenu d'entreprise. On va tout mettre ça en pratique aujourd'hui. C'est bon? Les questions? N'hésitez euh, pas, là, mais sinon, on va s'attaquer au problème de la journée. Donc, euh, vous savez où le trouver? Si vous allez dans votre portail de cours, menu document. Ici. Donc, euh, votre problème de la semaine 4 est ici. Dans le menu documents du portail de cours. Je vous le montre rapidement. Donc, euh, la demande est en jaune, mais juste avant d'aller. Bon, je... Donc, est notre, on a une entreprise qui, euh, qui fait de la fabrication de blocs de plastique, genre euh, Lego, Megabloc. Là. Donc, imagine qu imaginez qu'ils euh, qu ont des usines, des équipements pour faire des, des blocs de plastique là, pour, pour faire des jouets. Donc, comme d'habitude, on a, a l'état des résultats que les comptables ont dressés, les, les produits moins les charges. Vous connaissez ça, le fameux bénéfice net comptable. On a un autre état qui s'appelle les flux de trésorerie. Je ne sais pas si vous connaissez ce, cet, cet, l'état des flux de trésorerie. C'est un état qui, qui est dressé par les comptables qui, qui met l'accent sur les, les sorties de fonds. On voit vraiment où il y a eu des décaissements ou des encaissements importants. Ce n'est pas important pour le problème, on n'en a pas besoin. Là. Mais il est là pareil. Le bilan. Le bilan, je vous rappelle que c'est un état où on voit ce que détient la compagnie, puis les, dettes, les actifs qu'elle détient et les passifs, donc les dettes qu'elle a contractées. Donc, euh, et j'attire votre attention sur les immobilisations ici. Donc la compagnie ici a 7 millions d'immobilisations pour exploiter son entreprise. Donc j'imagine qu'il y a des biens amortissables là-dedans, certains qui, vont, peut qui ont peut-être été acquis cette année, peut-être d'autres qui ont été vendus cette année. Donc c'est pas mal ça qui va m'intéresser puis qui va affecter mes calculs d'amortissement. Et là, juste euh, la page suivante, vous avez un tableau avec plein de chiffres. Ça a l'air un peu euh, épeurant, mais ne vous en faites pas. Alors, on va tout regarder ça tranquillement ensemble. Mais dans le fond, les fameux euh, ici, les fameux 7 millions d'actifs qui étaient au bilan, bien, vous avez tout le détail. Donc, dans le fond, tous ces soldes-là se reportent dans les états financiers. Donc, ça, c'est vraiment un document que les comptables ont dressé, pas, pas, pas pour vous pas pour « tiens, le fiscaliste, fais mon rapport d'impôt avec ça ». Non, non. Ça, c'est un, un document pour les comptables, des comptables aux comptables, si on veut. Donc, c'est comme ça qu'ils sont capables de, de, de produire leurs états financiers, donc de, 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 au bilan, résultats, flux de trésorerie, tous ces soldes-là se reportent dans leurs états financiers. Mais nous, en fiscalité, on va, ça va être utile. Vous voyez pourquoi? Dans le fond, je vois ici, on voit tous les actifs, tous les biens amortissables, sont détenus par cette société-là. D'accord? Et surtout, si on grossit un petit peu, on voit que cette année, il y a eu des acquisitions. Donc, cette année, il y a eu 10 acquisitions de nouveaux biens amortissables. Donc, moi, comme fiscaliste, je peux interpréter ça. Euh, je ne suis pas assez grand, excusez-moi. Donc, 10 acquisitions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, cette année, la compagnie a acheté 10 nouveaux biens amortissables qu'on va devoir mettre dans, la, dans les bonnes catégories de biens amortissables. Il y a eu des dispositions aussi. Il y en a eu quatre, pas cinq, quatre. Il y a eu une vente ici d'une bâtisse, une vente d'une BMW, la vente d'une Toyota Corolla et la vente d'un classeur. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq plutôt, hein, puis avec une découpeuse à plastique, pardon, ici, cinq ventes. Donc, essentiellement, je vais en reparler tout à l'heure, mais c'est pas, pas mal cette première partie-là qui est importante d'aller voir les acquisitions et les, donc les nouveaux biens amortissables qu'il va falloir classer correctement, puis les ventes de biens amortissables qu'il va falloir sortir de nos contentés. Finalement, la dernière chose que vous avez en annexe, ça, c'est un document fiscal. C'est un extrait de la déclaration de revenus de cette société-là l'année passée. Donc, ça, c'est vraiment une information de nature fiscale. Ce n'est pas comptable, c'est fiscal, c'est très précieux. Dans le fond, tout ça pour dire que je remarque qu'à la fin de l'année d'imposition précédente, cette entreprise-là avait déjà cinq catégories de biens amortissables déjà ouvertes et existantes. Donc, cette compagnie-là avait déjà une catégorie 8, 10.1, 3, 10 et 53. Donc, il y avait cinq catégories de biens amortissables déjà ouvertes, déjà existantes, pour lesquelles il y avait... Un solde de, de FNAC à la fin de l'année. Donc, si je vais voir à la fin de la colonne, je rapide un petit peu. Donc, à la fin ici, dans le fond, tout ça, c'est pour avoir à la toute fin ici les FNAC à la fin. Donc, pour, chaque, pour chacune de ces cinq catégories-là, vous voyez qu'il restait à amortir 7 000. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il restait 7 000 à amortir dans la catégorie ici, 16, 3,6 millions et ainsi de suite. Donc, pour cinq catégories déjà existantes, il restait des soldes à amortir. Ça va bien sûr être votre point de départ, ça, pour votre année courante, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, euh, écoutez, je vous, laisse, je vous laisse aller. je vous laisse euh, La demande, là, euh, c'est pas super important, surtout pour la première partie du problème. Bon, on va vraiment séparer le problème en deux parties. Mais dans le fond, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des contentés. Donc, pensez pas tout de suite à la réponse finale. Pensez pas tout de suite à comment ça va se présenter, tout ça, dans la conciliation. Dans le fond, il faut, faut, faut se mettre les mains dedans. Là. Donc, imaginez qu'il faut, ceux qui aiment dessiner, prenez une feuille de papier, ou sinon, faites-le sur Excel, mais imaginez qu'il faut vraiment faire un compte en T pour chacune des catégories d'amortissement qui nous. Euh, qui sont interpellées dans ce problème-là. Puis, je vous le remonte. Là. Dans le fond, c'est ce qu'il y avait à la toute heure dans mon volume. Ici. Donc, ici. Donc, je suis à la page 130 du volume. Donc, dans le fond, moi, je, je vous conseillerais de faire vraiment, par exemple, un contenté ici pour la catégorie 8. Faites vraiment un vrai contenté. Là. À gauche, un, allez chercher c'est quoi la, la FNAC de cette catégorie-là à la fin de l'année passée. Ensuite, allez y mettre à gauche des acquisitions. Puis ensuite, allez y retrancher à suite des dispositions. Donc, vous faites ça pour la catégorie 8, la 10, la 10.1, ils sont toutes là, là, on va en reparler, mais il faut faire un compte entier différent pour chacune des catégories euh, d'amortissement existantes pour cette entreprise-là. Donc, je vous laisse, laisse commencer, je vais pouvoir vous aider, bien sûr, je vais me promener, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à vous entraider entre vous aussi, c'est super bénéfique euh, que vous le fassiez. Donc, euh, je vous laisse commencer, puis je vais vous guider, là. je vais vous euh, piste, donner des petits, des petits trucs en cours de route. Donc, on, on, va on va au moins le, 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 le commencer. Puis je vous reviens tout à l'heure. Bon travail. OK, alors je vous propose qu'on regarde la solution ensemble. Je suis conscient que vous n'avez pas tous fini, mais de toute façon, on va quand même apprendre. On va quand même apprendre en regardant la solution ensemble, d'accord? Donc, dans le fond, je vais vous montrer comment, comment j'ai fait pour arriver à, à ces bons temps d'amortissement dans chacune des catégories. Puis, je vais aussi faire un effort pour aller vous montrer dans le livre où c'est écrit. Je vous rappelle que techniquement, là, euh, il se pourrait être écrit dans le livre à quelque part comment faire ça. Donc, dans le fichier solution que vous voyez en ce moment à l'écran, moi, j'ai simplement fait des carrés. Là. Je ne me tentais pas de faire des contentés, mais j'aurais très bien pu. C'est la, la même chose. Donc, chaque catégorie d'amortissement est représentée par un encadré dans lequel il y a des plus puis et des moins, mais c'est la même chose qu'un contenté. C'est juste une présentation différente. Donc, je vais commencer par la catégorie 1 au niveau des. Euh, au niveau des, euh, de l'achat d'une nouvelle bâtisse. Donc, ma catégorie, elle, est ici. On arrive à un, à un, à un amortissement de 792 000 euh, Juste aussi, j'attire votre attention. Moi, dans ma, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire comme ça. À côté, moi, j'ai fait comme trois colonnes. Parce que, je, comme je vous rappelle, pour chaque catégorie de biens amortissables, il y a trois finalités. Ben, il y a une finalité sur trois. Il y a trois finalités possibles, mais. Donc, soit une catégorie. On va prendre un amortissement à la fin. Soit on va, sub... on va pouvoir déduire une perte finale ou, à l'inverse, s'imposer sur une récupération d'amortissement. Ça fait longtemps que j'en parle de ces trois finalités-là. C'est pour ça que j'ai fait trois colonnes différentes. Puis ça s'additionne tout seul, dans le fond. Puis à la fin, j'ai juste à prendre mes totaux. On le fera à la fin, là. Mais dans le fond, j'ai rien qu'à prendre mes totaux qui sont là. Donc, ça, c'est le total de toutes les DPA que j'ai pris. Ça, c'est le total de toutes mes pertes finales, toutes mes récupérations d'amortissement. Et ensuite, je peux aller les placer dans la conciliation. Mais bref, ce n'est pas ça qui est important pour l'instant. Parlons vraiment de la catégorie 1. Donc, comme je vous disais, il faut, faire, il faut aller chercher trois informations. D'accord? FNAC de début, pour ma catégorie 1. Est-ce que j'ai acquis des biens qui vont en catégorie 1? Puis est-ce que j'ai vendu des biens qui euh, étaient en catégorie 1, c'est-à-dire des bâtisses. Hein? C'est ça, les fameuses catégories 1, c'est des bâtisses. Donc. Euh, si je vais, je vais vous montrer mon, euh, l'énoncé. Donc, premièrement, je vais aller voir si j'avais une FNAC en catégorie 1 l'année passée. Donc, vous voyez ici, l'année passée, il y avait cinq FNAC existantes. Il n'y a pas de 1. Donc, comme il n'y avait pas de catégorie 1 ouverte dans le passé, on va ouvrir une nouvelle catégorie avec une FNAC d'ouverture de zéro. Donc, je mets zéro ici. Ensuite, tout le monde a vu que dans, dans l'énoncé, dans qu'on avait une acquisition de bâtisse pour 5,2 millions. Euh, donc, encore une fois, ici, si on allait voir le, le, les documents comptables. Donc, je vous rappelle qu'on a 10 acquisitions dans l'année. Ils sont ici, ces 10-là. Et tout le monde a remarqué qu'on a acheté une bâtisse pour 5,2 millions. Donc, c'est ça que j'ai mis comme acquisition dans mon compte en T ici. 5,2 millions. Maintenant, je lui ai, ensuite, je lui ai appliqué un taux d'amortissement de 10 Je vais aller vous montrer pourquoi dans le volume. Donc, si on va voir nos, notre catégorie 1 dans le volume, comment ça fonctionne. Donc, au niveau des bâtisses, il y a comme, y a comme deux catégories, mais la catégorie 3, elle n'existe pas. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais c'est une vieille catégorie. Donc, avant, hey, c'est vraiment vieux, avant 1998, vous n'étiez même pas né pour la plupart. Donc, euh, avant 1988, quand on achetait une bâtisse, on, le, on la mettait en catégorie 3 avec un taux d'amortissement de 5%. Depuis 1988, on ne met plus rien dans cette catégorie-là. Donc, il n'est plus, plus question de mettre des bâtisses en catégorie 3. Mais vous comprenez que, est-ce que, est que ça se pourrait qu'il y ait des vieilles bâtisses de l'époque, acquises avant 1988, qu'on ait mis à l'époque en catégorie 3 et qu'on voit encore traîner dans les, dans, les, dans les tableaux d'amortissement, oui, parce que c'est tellement long à amortir à 5% dégressif par année. Il y, a, il y aura plein de, Donc, ça se peut qu'il y ait encore des catégories 3 avec des vieilles bâtisses qu'on doit, continu, qu doit continuer à amortir, mais assurément, on ne met rien là-dedans. On ne met pas de nouvelles bâtisses en catégorie 3. Depuis 2007, c'est en catégorie 1. Catégorie 1, mais il y a trois taux d'amortissement possibles. C'est soit 4, 6 ou 10%. Pour déterminer quel taux d'amortissement on va appliquer, il faut voir l'usage de la bâtisse. Donc, qu'est-ce qu'elle abrite, ta bâtisse? Est-ce qu'elle abrite des, des familles ou elle abrite des commerces? Si tu achètes une bâtisse qui abrite des familles, c'est donc une bâtisse résidentielle. Donc, par exemple, si tu achètes un bloc appartement, toi, puis que tu le loues à du monde, que tu fais de la location à des familles, puis que tu reçois des loyers, bien, toi, pour, dans, ton, dans ton rapport d'impôt à toi, à la fin de l'année, tu vas prendre 4% d'amortissement sur ta bâtisse parce qu'elle est résidentielle. Si à l'inverse, ta bâtisse occupe ou abrite des commerces, la deuxième question, quel genre de commerce? Est-ce que tu fais de la fabrication transformation ou pas? Si ton entreprise fait de la fabrication transformation, c'est 10% l'amortissement de la bâtisse, sinon c'est 6%. Ça, c'est bien simple, ça fait référence aux trois grands... Aux trois grands secteurs d'activité possibles, vous les connaissez, le fameux secteur primaire, secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, les entreprises du secteur primaire, ce sont celles qui font l'extraction des, des biens et des minéraux de la terre. Le secteur secondaire, fabrique et transforme. Et le secteur tertiaire, c'est la vente au détail et la prestation de services. Toutes les entreprises du secteur secondaire ont des taux de, on le, se qualifie ici à l'amortissement de 10% sur leur bâtiment. Les autres secteurs, primaire et tertiaire, c'est 6% d'amortissement. Donc vous comprenez que moi, je fais la fabrication de blocs de, de plastique, mon, mon entreprise. Donc je suis clairement admissible. Je suis une entreprise du secteur secondaire. Donc c'est pourquoi que j'applique le 10% d'amortissement. Et il faut aussi, il faut appliquer l'incitatif à l'investissement accéléré. Donc euh, je vais aller vous le montrer dans le volume. Lorsqu'on fait une acquisition. Chaque, donc, euh, comme je le disais un petit, peu, juste un petit peu ici, je suis rendu à la page 141. Donc, comme je le disais tout à l'heure, exceptionnellement, l'année où tu acquiers un eh bien, on va te donner un surplus d'amortissement. Donc, au lieu d'appliquer bêtement le taux de la catégorie, on va le bumper, sous-moi l'expression, on va l'augmenter de 1,5. Donc, ma catégorie tout à l'heure, qui, qui avait un taux d'amortissement de 10 mais exceptionnellement, la première fois, ce n'est pas 10% qu'on va prendre, c'est 15%. Ça va être augmenté de 1,5 ou de 150%, si vous préférez. Donc, c'est pourquoi, dans le fond, ici, je fais comme calcul, je vais prendre 5 millions fois 10% fois 1,5. C'est ce qui va me donner 792 000 d'amortissement. Donc, je répète, je prends mon acquisition de 5 millions, je fais fois 10%, qui est le taux d'amortissement de la catégorie, puis je fais fois 1,5 ça va me donner 792 000. Si on fait ça juste sur les acquisitions, on ne fait pas ça à chaque année sur, la, sur le contenu de la catégorie. Ça s'appelle l'incitatif à l'investissement accéléré. C'est une mesure qui a été mise en place pour encourager, un peu, ouais, pour encourager les entreprises à, à faire des acquisitions, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'une entreprise qui est hésitante, sachant qu'elle va avoir un meilleur amortissement la première année, qu'elle va pouvoir abaisser son revenu d'entreprise, puis qu'elle va pouvoir... Euh, Peut-être sauver plus d'impôts, des fois, ça peut aider les entreprises. OK, juste, c'est important ça parce qu'on l'applique souvent. Concrètement, il faut appliquer le, le fameux incitatif sur les acquisitions nettes de l'année. Donc, concrètement, sur les acquisitions moins les dispositions de l'année. Regardez ici, je vais juste donner des petits exemples. Regardez. Vous reconnaissez le contenter. Imaginez que j'ai une FNAC d'ouverture de 70 000. Et imaginez que dans l'année, je fais deux acquisitions. 40 puis 20 000. Donc, au total, j'ai 60 000 d'acquisitions. Est-ce que tout le monde voit comment va s'appliquer l'incitatif à l'investissement accéléré? Je vais, prendre, je vais prendre mon 60 000 fois 30 fois 1,5. Ça, ça va me donner le... Laissez faire le 8-12. Ce n'est pas important. Euh, J'en reparlerai tantôt. Là. Non, ce n'est pas, pas important. C'est ça. Donc, euh, ici, là... Et le, sur mon 70 000, qui n'est pas des acquisitions de l'année, c'est un vieux solde, là-dessus, c'est x 30 pas de, pas de x 1,5. Tout, tout le monde le voit bien? Ici, j'ai une snack d'ouverture de 70, j'acquire un bien pour 35, j'en vends un pour 20, j'en vends un pour 8. Sur quel chiffre je vais appliquer l'incitatif? Sur 35? Non. Pas sur les acquisitions, sur les acquisitions nettes des dispositions. Donc, tes acquisitions nettes sont de 35, moins 20, moins 8. Tu as 7 000 d'acquisitions. Donc, sur 7 000, tu vas faire fois 30 fois 1,5. Ça, ça va donner euh, le 3 000 qu'il là. La FNAC d'ouverture, fois 30 pas d'incitatif. Tout le monde le voit? Et ici cest à 70 000, acquisition 25, vente 20 et 8. Vous allez appliquer l'incitatif sur quel chiffre? Zéro. Vous n'avez pas d'acquisition nette. Dans une année, ici, j'ai 25 000 d'acquisition, puis 28 000 de disposition. Je n'ai pas d'acquisition nette. Ça ne peut pas être négatif, c'est zéro dans ce temps-là. Donc, j'ai aucune acquisition nette, j'ai aucun incitatif qui va s'appliquer. Donc, je n'ai pas le 1.5 qui s'applique à nulle part. Je vais tout simplement prendre mon 67 000 fois 30 sans indicatif, sans le fameux 1.5. C'est bon? N'hésitez pas si c'est des questions. OK, alors euh, on va continuer maintenant, on va aller voir la catégorie, euh, la 3, je la garde pour la fin, c'est volontaire, la catégorie 8. Donc, en catégorie 8, la bonne réponse, c'était 4859. Vous voyez comment on arrive à ça. Donc, premièrement, il faut aller chercher la FNAC de fin. Est-ce que vous permettez que je ne le fasse pas à chaque fois? Là, tout le monde a tout compris que la dernière annexe, c'était celle qui montrait les FNAC disponibles. Donc, si vous allez voir dans votre annexe, vous, aurez, vous allez trouver, je vais vous le montrer une dernière fois, là, mais je vais gagner du temps un petit peu. Là. Donc, ma fameuse annexe ici, est-ce qu'en catégorie 8, il me restait des FNAC? Oui, catégorie 8. Donc, si on va voir ici, à la toute fin ici, 7005. Donc, ça, c'est ce qu'il me restait à amortir en catégorie 8 à la fin de l'année passée. Donc, moi, je repars avec ce solde-là cette année, 7005. Est-ce que j'ai des acquisitions? Bien, allons voir tout d'abord qu'est-ce qui va en catégorie 8. Je vais revenir dans le volume. Qu'est-ce qu'on met en catégorie 8? On met pas mal d'affaires, je vais vous le dire. C'est pas mal le fourre un fourre-tout, d'accord, ici. Donc, catégorie 8, 20 c'est possiblement la catégorie qui a le plus de biens. Dans le fond, ça comprend tous les biens qui sont tangibles et qui sont non visés par une autre catégorie. Vous comprenez que le gouvernement ne peut pas nommer chaque objet un par un dans la loi puis dire dans quelle catégorie on met ça. À un moment donné, il y, 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 y en a trop. À un donné, ça prend un fourre-tout. Le fourre-tout, c'est catégorie 8. Donc, catégorie 8, c'est on te dit tout ce qui est tangible. Donc ça veut dire que c'est matériel, ça se touche. Puis, si tu ne si peux pas le mettre à nulle part ailleurs, tu le mets là. Fait que finalement, il se ramasse plein, plein de choses là-dedans les équipements, les mobiliers de bureau, les classeurs. C'est ce fou, là, comment il y a, la très grande majorité des biens se retrouvent la plupart du temps en catégorie 8. Donc, moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette année par rapport à ça dans, ma, dans mon problème? Est-ce que si on regarde mes acquisitions de mon année, j'en ai 10. Donc, on a dit que ça, c'est une bâtisse. Le terrain, en passant, le terrain, je, euh, on a acheté un terrain, mais ce n'est pas un bien amortissable, un terrain. En comptabilité non plus. On ne peut, peut pas prendre d'amortissement sur un terrain. C'est comme un placement. C'est un bien qui ne perdra jamais de valeur par définition. Donc, ça, on ne l'amortit pas. Des autos, ce n'est pas ça. Mobilier de bureau ici, bah, ça, je, je m'en doute pas mal. Donc, comme de fait, j'ai acquis pour 12 000 de mobilier de bureau. Donc, je le mets en Catégorie 8, plus 12 000. J'ai aussi vendu des, des classeurs, je pense, ou d'autres mobiliers de bureau dans la même ligne. J'apprends aussi que j'ai disposé de certains mobiliers ou certains classeurs. Le 6 000 que là, c'est le coût de ce que j'ai disposé. Donc, je vous rappelle que si on va voir un petit peu plus loin à droite dans le tableau, on a une colonne qui est le prix de vente. Donc, ici, je vais vous le grossir ici, là. Donc, ici, J'apprends que, je ne sais pas, je, je pense que c'était le 1000 que y a là. Hein? J'ai perdu la ligne, excusez-moi. Donc, le, le, le fameux mobilier, on l'a vendu 1000 et son coût d'origine, on l'avait payé à l'époque, 6000 Donc, il faut toujours retrancher le plus petit du prix de vente ou du coût. Donc, ça ce cas c'est le prix de vente. Donc, tout le monde voit comme moi que j'arrive à une FNAC de 18 000 Sur quel chiffre on va appliquer l'incitatif sur 12 000 est-ce qu'on va appliquer l'incitatif sur 12 000 ici? Non, sur 11. Donc, 11 525 fois 20 fois 1,5. Ça, ça vous donne votre 3004. Et sur le, la FNAC d'ouverture, le 7005 fois 20 sans incitatif. C'est comme ça qu'on arrive à 4 859. Donc, je répète. 11 525 x 20 x 1.5 et ensuite 7 005 x 20 Des questions? OK, on continue. Catégorie 12 et 50. On va les traiter ensemble parce que tout ça, là, ça, ça touche pas mal les équipements informatiques et les logiciels. Donc, catégorie 12 et 50, je vais aller vous le montrer dans le volume. Je vais commencer par la catégorie 50, si vous permettez. Euh, la catégorie 50, qu'est-ce qui va là-dedans? Dans le fond, c'est tous les équipements informatiques. Donc, vraiment au sens large. Ordi, donc, euh, ordinateur, réseau, serveur, euh, tout le Wi-Fi, tout le, toute la, la solution nuagique. Là. Maintenant, en, on ne parle plus juste d'un PC. Là. Donc, tout ce qui est informatique, tout ce qui sert à, à informatiser une organisation. Ordinateurs, périphériques, composantes, tout ça, on les met en catégorie 50, y compris les logiciels d'exploitation. En fiscalité, il y a deux grandes familles de logiciels. On fait la différence entre des logiciels d'exploitation et des logiciels d'application, puis ils ne vont pas dans la même catégorie. Un logiciel d'exploitation, c'est un logiciel qui n'a comme seule utilité de faire fonctionner ton ordinateur. Ça ne ça produit rien. Tu ne produis pas un document avec ça ou un tableur ou un rapport d'impôt. C'est tu sais, vraiment comme, comme... Donc, finalement, un peu comme Windows, iOS, là, il, y en, il y en existe d'autres. Donc, on comprend que ça fait juste créer un environnement sur ton ordinateur. Ça fait juste faire fonctionner ton ordinateur. C'est pour ça qu'on le classe avec les ordinateurs. Un, win, un ordinateur, ça vient avec Windows. Tu il sais, faut que tu achètes Windows avec, tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'on le met dans la même catégorie. Alors que les logiciels d'application, ça, ce sont des logiciels qui vont des, ils vont donc, eux, vont aller en catégorie 12. Les logiciels d'application, à contrario, c'est un logiciel qui sert à produire quelque chose. Donc, si tu achètes un traitement texte, un tableur, tax prep qui sert à faire des déclarations de revenus, autocal pour les, les ingénieurs qui permettent de faire des dessins, tout ça, ce sont des biens de catégorie 12. Puisqu'on parle de la catégorie 12, euh, si, regardez. Catégorie 12, taux d'amortissement 100%. C'est spécial. Donc, en réalité, on te dit que tu, tu dois capitaliser le bien, mais la première année, tu peux passer la totalité du coût du bien en DPA. Donc, euh, c'est une catégorie qui est très, très, très on, on va donc l'amortir au complet la première année. On, de, on devine que... Dans cette catégorie-là, on retrouve surtout des biens qui perdent beaucoup de valeur, très, très rapidement, des biens qu'il faut renouveler re souvent, des petits outils, des logiciels d'application, par exemple. Donc, est-ce qu'on a vécu ça, nous, dans notre cas? Oui. Hein? Donc, tout le monde comprend que ici, j'ai euh, acheté des ordinateurs. On va le mettre en catégorie euh, 50, l'ordinateur. Les logiciels Windows, même chose, on le met là. Alors que les tax prep, ici, on va les mettre en catégorie 12. Parce que ce sont des échelles d'application. Donc, euh, si je vous montre la catégorie euh, 50, ici, pas de, si on va voir dans notre annexe, il n'y avait pas de solde d'ouverture. J'ai acquis les ordis, j'ai acquis l'échelle euh, d'exploitation. Donc, j'ai 4 000 de nouvelles acquisitions. Donc, 4 000 fois 55 fois 1,5. C'est ce qui vous donne 3373. Donc, je répète, 4000 fois 55 fois 1.5. C'est ce qui vous donne votre 3373 ici en catégorie 50. Donc, on vient abaisser le revenu d'entreprise avec ce montant-là. La catégorie 12, on va retrouver nos l'échelle tax-prep. Donc, pas de solde d'ouverture, on, on l'a vu tout à l'heure. J'ai acquis un échelle de 1600 et le taux d'amortissement de la catégorie, c'est 100 donc, c est, c est, donc, le 1600 passe au complet en amortissement. Donc, tout ce qu'on met dans la catégorie ressort aussitôt. C'est le, le propre d'une catégorie à 100%. On peut, vous comprenez que le 1.5 ne s'applique pas. On ne peut pas. On ne pourrait pas dire x1.5 puis en, en venir à passer plus que le coût. C'est déjà le meilleur scénario envisageable. Tout ton coût, tu le passes au complet la première année, mais on ne peut pas passer plus d'amortissement que le coût. Donc, je ne fais pas x1.5 ici. On n'en en a pas besoin. C'est bon pour ça. Okay, dernière chose, on finit avec la catégorie 3 pour lesquelles on a subi une récupération d'amortissement. Là, c'est un traitement un peu différent. Jusqu'à présent, j'ai toujours appliqué la même logique pour chaque catégorie qu'on vient de voir, d'accord? À la fin, je prenais tout simplement ma FNAC à la, à la fin de, ma, de mon année fois le taux de ma catégorie. Des fois, le fois 1.5, d'autres fois non, là, mais L'esprit de c'était toujours le même, c'était de prendre un amortissement normal, en guillemets, à la fin de l'année. C'est différent ce qui s'est passé en catégorie 3. Je vous le montre à l'instant. Donc, euh, ma catégorie 3, c'est une vieille, vieille catégorie qui contient des vieilles, vieilles bâtisses. Comme de fait, j'avais un vieux solde dans cette FNAC-là. Donc, si on, on va voir mon annexe ici, en catégorie 3, boulevard des Rives, à la fin, à droite ici, j'avais pour 3,6 millions encore à amortir dans cette vieille catégorie. Et j'ai vendu la bâtisse. Je l'ai vendu. Donc, euh, est-ce que vous me permettez de pas aller montrer les chiffres dans l'énoncé? Je l'ai vendu 4,6 millions. Je l'avais payé 4,7 millions. Je pense qu'on l'a bien vu tantôt, là, les deux colonnes dans l'énoncé. C'est les deux chiffres qui sont en bleu. Donc, je retranche le moins des deux. Et là, ma FNAC tombe négative. C'est la première fois qu'on voit ça on a retranché plus de montants que ce qu'il y avait dans la FNAC. Comme quelqu'un qui a un compte de banque négatif, c'est à gauche, c'est les rentrées d'argent, puis à droite, c'est les sorties d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un a un compte de banque négatif? Y a Il y a-tu 56 000 explications? Ou ça veut dire qu'il a plus dépensé que gagné? Ça, veut juste, ça peut juste vouloir dire ça. Donc, une FNAC négative, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a un problème. Là. Si ta FNAC est négative, ça veut dire que tu as, as trop amorti. Ce chiffre-là est beaucoup trop bas par rapport au prix que tu vends ta bâtisse. Donc, une FNAC négative, automatiquement, ça va générer ce qu'on appelle une récupération d'amortissement. Une récupération d'amortissement, là, c'est le contraire d'une dépense d'amortissement. Ça ne va pas abaisser mon revenu, ça va l'augmenter. Donc, ici, mon montant de 950. Donc, dès que je tombe négatif, automatiquement, je dois déclencher une récupération et je vais venir augmenter mon revenu d'entreprise. Ici, là, d'un montant de 954 000. Je, vous, je, vous, on va, je vais vous montrer dans le volume à quel endroit on voit ça. Donc, je suis rendu à la page 3.5, à la page 151 de votre volume c'est une des finalités possibles, la fameuse récupération d'amortissement qu'on est, qu est en train de vivre là, pour notre bâtisse de catégorie 3. Concrètement, il y a une seule condition, c'est le plus facile, FNAC négative. Donc, aussitôt, à la fin de l'année, quand tu constates que ta FNAC est négative, il n'y a pas 56 explications, il n'y a pas 56 solutions, tu dois t'imposer sur un montant équivalent à ton solde, à ta FNAC négative, ce qu'on appelle la récupération d'amortissement. Je vais juste essayer de vous expliquer pourquoi on fait ça. Juste que vous comprenez bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais. L'amortissement qu'on vous accorde sur les, dans, pour chacune des catégories d'amortissement, 10%, 20%, 30%, 55% sur les ordinateurs, tout ça, ce sont des pourcentages approximatifs. Qu'est-ce que le gouvernement essaye de faire avec ça, vous pensez Lui, là, ce qu'il essaye, c'est d'estimer le mieux possible la perte de valeur de votre bien amortissable. Lui, ce qu'il essaye de refléter le mieux possible, c'est... La différence, le prix, la différence entre le prix que tu vas acheter un bien amortissable et le prix que tu vas le revendre, là, cette perte-là que tu vas subir sur un certain nombre d'années, c'est ça qu'on veut t'allouer en amortissement. Mais on est obligé d'y aller sur une base estimative. Pourquoi? Parce que quand tu achètes un bien amortissable, il y a un inconnu. C'est quoi l'inconnu? Je ne sais pas quand tu vas le vendre, je ne sais pas à quel prix. Mais si je le savais, là, je n'aurais pas besoin de faire des à peu près. Imaginez que le législateur peut voyager dans le temps. Tu t'achètes une bâtisse aujourd'hui 5 millions. Il, prenne, il voyage dans le temps, là, comme dans Retour vers le futur. Il va aller voir que dans, 3, dans 5 ans, disons, ou l'année prochaine, je vais faire ça simple, là, il va voir que l'année prochaine, ta bâtisse que tu as achetée 5 millions, tu vas la revendre 4,8 millions. Donc, il revient avec cette information-là du futur. Ou du passé? Non, du futur. Il revient au, dans le passé, du futur. Donc, en, il voit qu'en un an, tu vas, perdre deux, tu vas perdre 200 000 avec ta bâtisse. S'il le savait, qu'est-ce qu'il t'accorderait en DPA, tu penses? 200 000. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas quel prix tu vas le vendre et quand. Donc, ce sont des approximations, tout ça. Tous les amortissements qui sont accordés sont approximatifs. Ben, à un moment donné, il faut s'ajuster. À un moment donné, le gouvernement, il ne peut pas tout le temps y aller à peu près. Donc, à un moment donné, il faut corriger l'amortissement. Ce sont des mécanismes d'ajustement, de correction. La récupération d'amortissement et la perte finale. Donc, le premier, scénario, premier mé mécanisme pour corriger de l'amortissement, c'est justement la situation de récupération d'amortissement. Regardez l'exemple qui est ici. J'ai une, une bâtisse, je l'achète 400 000. Okay? Donc, je prends le fameux 10 qui m'est permis, le fameux. Euh, Incitatif de 150 donc j'ai à 160 000, Je l'ai pour 60 000. Ma FNAC chute à 340. L'année suivante, la bâtisse que je, que je viens d'acheter, je la revends. Je la revends pour 395 000. Si le gouvernement avait su, l'année passée, si le gouvernement avait su, quand j'ai acheté une bâtisse 400 000 que je la revendrai un an plus tard pour, et que je perdrais seulement 5 000 dans cette opération-là. Donc, le temps que j'ai détenu la bâtisse, je vais avoir perdu seulement 5 000 S'il avait, avait su ça le premier jour, qu'est-ce qu'il m'aurait accordé en DPA, le gouvernement? 5 000. Il ne savait pas. Il est allé au mieux qu'il pouvait. Il t'a donné 60 000. C'est ben trop. Il aurait dû t'en donner 5. Il t'en a donné 60. Qu'est-ce que tu dois lui redonner? 55. Tu vas, de, vas, tu vas, tu vas devoir redonner 55 000 d'amortissement que tu as pris en trop. C'est ce qu'on appelle de la récupération d'amortissement. Donc, quand tu vends, on peut s'ajuster. Quand tu vends, on voit. Le prix que tu vends, on voit combien de temps tu l'as détenu et par un mécanisme, le fait que tu tombes négatif, ça nous indique nécessairement que tu as pris trop d'amortissement. Maurice, tu avais -t une question par rapport à ça? Dites-vous que toutes les DPA qui vous sont accordées, là, elles sont temporaires. Il n'y a rien de final là-dedans. À chaque fois que tu prends de la DPA, tu une année que tu dis waouh la DPA est élevée ouais, mais regarde, c'est temporaire. Parce que si tu en as trop pris en bout de ligne, il va falloir que tu redonnes. Toutes les DPA que tu prends dans ta vie, c'est temporaire. Ça va s'ajuster la journée que tu vas vendre le bien. Et si on considère qu'on t'en qu a trop, trop donné, on va te demander de nous la redonner. On va te demander de t'imposer sur de l'amortissement pris en trop. Donc, c'est un peu, il faut le voir comme ça. Ce n'est pas une DPA généreuse ou un taux de DPA qui est rapide ou qui fait des, des belles DPA, qui me donne des belles déductions. Il faut garder en tête que, dépendamment du prix que je vais vendre le bien plus tard, ça se pourrait que je dois en redonner une partie. C'est comme ça. Regardez, un, juste un autre exemple, c'est les mêmes chiffres. Bon, euh... ce qui est passé, bon. Euh... Donc, regardez ici, c'est la même chose, c'est les mêmes, mêmes chiffres, la même histoire. j'achète Mais regardez, la, la bâtisse que j'ai achetée, 400 000, je la revends 430 000. Ça, ça peut arriver, ça, sur des bâtisses. Hein? Vous le savez que des bâtisses, des fois, ça peut prendre la valeur. Donc, imaginez que j'achète une bâtisse, 400 000, qui ne pas de valeur. Au contraire, elle prend de la valeur. Et je la vends 30 000 plus cher un an plus tard. Je vous pose la même question. La première année, si le gouvernement avait su, que tu ce que tu achètes 400 000, un an plus tard, tu vas la revendre sans perdre aucune valeur. Au contraire, tu vas faire du profit. S'il avait su ça d'avance, qu'est-ce qu'il t'aurait accordé en amortissement? Zéro. Parce qu'il il aurait jugé que tu ne perds pas de valeur, tu, tu, ne, tu, ne, tu, ne, tu ne perds aucun, 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 aucun montant en possédant ce bien-là. Ne le sachant pas, il t'a donné 60 000. Bien, quand tu vas vendre, tu vas devoir, tu vas subir, dans ce cas-ci, une récupération d'amortissement de 60 000 Puis ça, c'est rien, ça n'impose pas le profit. Le profit, il est ici. Donc, ce que j'ai la récupération d'amortissement, ça fait juste gérer l'amortissement pris en trop. Ça ne gère pas l'imposition du profit, c'est le gain capital. Donc, en plus, tu auras un calcul où il y a un gain capital imposable à 50 de 15 000 que tu devrais aussi mettre dans ta déclaration. Ça, c'est la portion profit. Donc, vous voyez que des fois, on amortit trop, puis il faut le redonner. Mais savez-vous quoi? Il existe un contrat. Il existe des cas où tu n'as pas assez amorti, et le gouvernement t'en doit. C'est le miroir. C'est le contraire. Ça s'appelle une perte finale. 3.4. C'est exactement le contraire. C'est des situations où on a les taux d'amortissement approximatifs N'ont pas été assez généreux. Puis ils n'en ont pas assez donné. Puis on se rend compte en vendant le bien que hey, j'en ai bien plus perdu que ce que le taux d'amortissement m'a accordé. C'est le contraire. Il y a deux conditions pour déclencher une perte finale. Il faut avoir une FNAC positive à la fin de l'année, mais surtout, il faut avoir vendu le dernier bien de la catégorie. Donc, il faut être sûr que dans ma catégorie, je, quand je vends mon bien, j'en ai plus. Il ne me reste plus rien. Et malgré tout, j'ai un solde positif encore disponible dans ma FNAC. Donc, prenez un petit exemple des chiffres. J'acquiert un bien 45 000, un bien de catégorie 6, 16, euh, pardon. Je l'amortis avec le fameux euh, x 1.5, 27 000 l'amortissement. Ma, ma FNAC chute à 18 000. Un an plus tard, ce bien-là, je le vends 15 000. Donc, je vous repose la même question que tout à l'heure. Si le gouvernement avait su à l'avance que ton bien que tu as acheté 45 000, tu le revendrais 15 000 un an plus tard, donc tu perdrais 30 000 en un an. S'il l'avait su, il t'aurait donné 30 000 d'amortissement. Mais il ne savait pas. Donc, il est allé au mieux qu'il pouvait. Ça a donné 27. Il t'en manque 3. Le gouvernement te doit 3 000 d'amortissement parce qu'on se rend compte à la vente que tu as perdu 30 000 en un an. 27, ce n'est pas assez. Donc, tu vas avoir droit à une belle perte finale de 3 000 Donc, tu vas pouvoir déduire au complet ce solde-là ici. On ne fera pas fois 40 comme tantôt. Non, 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 non. Parce que tu as vendu le dernier bien de ta catégorie, ici, il n'y avait aucun bien au début, j'en ai acheté un puis je l'ai vendu. Donc, en vendant le seul bien qu'il y avait dans la catégorie, je remplis la condition qui exige de vendre le dernier bien de catégorie 16. Donc, au lieu de prendre un 40 sur 3 000 pendant je ne sais pas combien de temps, on le vide au complet. Donc, ton 3 000, c'est un ajustement qu'on t'accorde au complet et que tu peux déduire sous ce qu'on appelle une perte finale, qui est le contraire d'une récupération d'amortissement. Donc, ça va dans un sens ou dans l'autre. Hein. Les taux d'amortissement qui sont des, des approximations, des fois, ils sont trop généreux, des fois, ils ne sont pas assez généreux. À vrai dire, c'est toujours le cas. Ça ne se peut pas un taux d'amortissement qui, qui tombe pile avec la perte de valeur d'un bien. Il y aura toujours un ajustement qui va s'opérer la journée que tu vas vendre ton bien, dans un sens ou dans l'autre. Des questions par rapport à ça? Donc, tout le monde comprend la petite histoire du... Euh Ma fameuse, Mon fameux bien de ma bâtisse de catégorie 3, ici. Donc, on avait une FNAC à 3.6 et on a vendu 4.6. Donc, euh, essayez pas, il n'y a, a pas 56 explications. S'il manque des montants dans ta FNAC, c'est parce que tu as beaucoup trop amorti, tu as beaucoup trop abaissé ce, ce montant-là par rapport à, à, au prix où tu vas le vendre. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire est-ce qu'il y aurait moyen d'éviter ça, une situation de. Récupération d'amortissement. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, devoir faire une inclusion l'année où ils le vendent, là, même si moi je trouve que c'est logique puis ça s'explique. Mais concrètement, le commun des mortels, ils n'aiment pas toujours ça, d'avoir payé un. Ça, ça occasionne beaucoup d'impôts à payer, ça, cette fameuse inclusion-là dans le revenu d'entreprise. Y a t tu moyen d'éviter ça ou de, de faire en sorte qu'il y en ait moins? Oui, mais surtout. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de prendre de l'amortissement fiscal. Hein. Si tu as peur de trop amortir un bien, de trop abaisser sa FNAC et quand tu vends tomber négatif, tu peux très bien choisir de ne pas prendre l'amortissement fiscal pour certaines années. C'est un choix, hein. on n'est jamais obligé de prendre de la DPA fiscale. Donc, si vraiment tu as peur de trop amortir un bien, bien retiens-toi, ne prends pas d'amortissement fiscal dessus. La FNAC va rester plus haute. Bien sûr, hein, ce chiffre-là, tu ne l'abaisseras pas constamment, ta FNAC, donc elle va rester plus haute. Puis, quand tu vas vendre ton bien, tu risques de. Tu pourrais éviter euh, de tomber négatif. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne stratégie. Là. Moi, en, en, il y a différentes écoles de pensée, mais en tout cas, pas, pas, il y en a qui pensent, dont moi, qui pensent que. L'idéal, c'est de prendre toute la DPA qui est permise. On, on, a les on, on empoche les économies d'impôts liées à ça, mais on garde en tête qu'il va peut-être peut falloir en redonner un peu plus tard. Ben, moi, c'est ma Moi, je, je, je le vois de même. Si quelqu'un dit Ah, moi, j'ai ça, avoir de l'impôt à payer au moment de la vente, OK, je pourrais peut-être te proposer d'autres choses. De, par exemple, moins amortir ton bien. Donc, euh, on en parle un petit peu ça dans le volume ici. Là. Il y a différents, différents petits trucs. Si on veut, ici-là si on veut éviter de la récupération d'amortissement. Donc, je vous laisse aller à la pause. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai dépassé un petit peu. Donc, merci de votre attention. On va poursuivre le problème et on va le finir. On se donne une vingtaine de minutes. Donc, s'il vous plaît, un petit peu avant deux heures, je m'assure qu'on puisse entamer la deuxième partie. OK, alors on va regarder la solution finale ensemble. D'accord? Vous avez, vous, avez, vous avez fait ça rapidement. Parlez-moi de ça. Si on peut finir un peu plus tôt, ça ne me dérange pas. Donc, le fichier solution, il est là. De, de, il n'était pas là tout à l'heure. Hein, vous avez remarqué que donc, le fichier solution vient d'apparaître. Il va rester là tout le temps. Donc, euh, libre à vous d'aller le chercher pour le consulter. Donc, euh, je pense que je peux me permettre d'aller un petit peu plus. Euh, on attend de bien le faire, mais vous avez tous bien compris, on dirait bien. Donc, la catégorie 10, euh, je vais vous montrer dans le volume surtout, c'est ça qui est intéressant, puis je vais vous faire mes petits commentaires. Donc, la catégorie 10, on arrivait à 9700 d'amortissement. Ce sont tous les matériels roulants qu'on met en catégorie 10 avec un taux d'amortissement de 30 Donc, si je vais vous montrer ça dans le volume. Donc, ici. Catégorie 10, 30 Donc, tout ce qui est roulant, d'accord? Donc, tout, tout, tout ce, que, tout ce que les équipements qui sont roulants, donc des chariots, des remorques, en, dès que c'est sur roue, c'est un bien de catégorie 10. Et bien sûr, ça va inclure les voitures. Les voitures de, qui coûtent moins de 30 000 d'accord? Parce que, euh, on va le voir, en fiscalité, les voitures luxueuses, ce qu'on qu appelle luxueux, il ne faut pas ça, se sauter dans les... Euh, c'est peut-être pas ce que vous pensez, c'est plus de 30 000 Donc, quand on achète une, pour une voiture, une voiture plus de 30 000 c'est particulier, on va les mettre en catégorie 10.1. Mais pour toutes les voitures qui coûtent moins de 30 000 on les met tout ensemble avec le reste du matériel roulant en catégorie 10. Donc, c'est pas mal ça qui nous a, euh, qui a été traité dans le cas d'aujourd'hui. Donc, si on va voir l'énoncé. Euh, catégorie 10, on avait une FNAC d'ouverture. Euh, oui, hein? Pardon, euh, Ici, donc, euh, on allait chercher la FNAC d'ouverture qui était de 13 000 Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme... Euh, je pense que c'était des voitures pas trop luxueuses. Je ne me trompe pas qu'on a... Ouais, donc, on a... Euh, donc, la Merce... acheter une Mercedes à 51 000, ça ne va pas en catégorie 10. Parce que c'est plus que 30 000, ça va aller en catégorie 10.1. On va en parler la semaine prochaine. Euh, acheter une Toyota Camry à 24 000, ça, ça va dans la catégorie 10. Ben, je la mets. Puis j'ai aussi une Corolla que j'avais payée à l'époque 21 000, donc qui était clairement en catégorie 10 et que j'ai vendu cette année. Donc, si on va voir plus loin dans les colonnes, on va voir que son prix de vente à cette euh, Toyota Corolla était de 11 000. Merci Maurice. Donc, je l'ai vendu euh, 11 000, puis je l'avais payée à l'époque. On vient de le voir. 21 000. Donc, on a ici l'achat de la Camry, la vente de la Corolla. Donc, sur quel montant on va appliquer l'incitatif? Sur 24? Sur... Non, sur 24 moins 11. Donc, sur 13 000, je vais faire 13 000 fois 30 fois 1,5. Ça, ça va me donner le 5 800 qui est ici. Et ensuite, le, la FNAC d'ouverture, elle, ça va être fois 30 seulement. Ça va me donner le 3 000. 4000. C'est bon. Pour le, donc, c'est ce qui vous donne 9787. Donc, on va abaisser le revenu d'entreprise avec un amortissement normal sur la catégorie euh, 10. OK, 14.1 et 44 aussi, c'est des euh, intangibles. On va en reparler la semaine prochaine. Mais donc, les il y a un brevet d'une durée de 10 ans qui avait été acheté. On va lui le mettre en catégorie 44 puis on avait aussi acheté une licence pour avoir le droit d'utiliser les couleurs de Bob l'éponge. Une licence, on le met en catégorie 14.1. On va voir ça plus précisément la semaine prochaine. Ce n'est pas grave qu'on ne le voit pas maintenant. Je veux surtout, moi, qu'on se pratique, qu'on fasse du 150 sur ces jours. Je veux vraiment qu'on reste dans la mécanique de ça. C'est ça qui est important pour aujourd'hui. Donc, si on regarde ensemble la catégorie 14.1, ça, c'est l'amortissement la plus lente. Il n'y a pas plus lent que... Ben, à part les bâtisses, là, de les anciennement, mais donc c'est très, très, très lent. Donc il y a beaucoup d'intangibles qu'on va mettre là-dedans. Donc c'est des biens qui sont incorporels, qu'on qu qu ne peut pas toucher, mais qui ont quand même de la valeur souvent et qu'on paye cher. Donc euh, on pourrait acheter par exemple un achalandage, des quotas, certains frais et comme je disais tout à l'heure ici, contrat, concession, franchise à durée illimitée. Donc ma fameuse franchise que j'ai payée pour. Euh, du pouvoir utiliser l'image de Bob l'éponge, je le mets en catégorie 14.1. Donc je vous le montre à l'instant. Donc j je n'avais pas de solde d'ouverture, pas de solde d'ouverture acquisition qui sont de 9000. Vous comprenez que je fais 9000 x 5% x 1.5. Ça va vous donner 600 pièces, 675 d'amortissement pour la catégorie 14.1. Euh, L'autre intangible, c'était plus un brevet d'une durée de, de 10 ans. Donc, euh, on, lui, on le mis en catégorie 44. Je vous le montre ici. Donc, ça, c'est d'autres genres d'intangibles. Catégorie 44, dégressif 25 certains brevets, droit, renseignement breveté. Là, il y a des choix qui, qui s'attachent à ça. On en reparlera, mais je veux surtout qu'on aille voir la mécanique de la catégorie 44. Donc, euh, catégorie 44, encore une fois, je n'avais pas de solde d'ouverture. Je vais y mettre mon 105 000 que j'ai payé pour le fameux euh, brevet d'une durée de, de 10 ans. Donc, 105 000 fois 25 fois 1,5, c'est ce qui me donne 39 000. Est-ce qu'il y a des questions? Good. Euh, la dernière, c'est la catégorie 53 qui est encore une fois réservée aux entreprises qui font de la fabrication transformation. Et, 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 ça, nous, et ça nous vise, hein, ça nous touche parce qu'on en est une. Donc, euh, la catégorie 43, avec son super taux d'amortissement de 100%, c'est une catégorie dans laquelle on va mettre tous les biens qui ont été acquis pour une entreprise qui fait de la fabrication transformation. Dans le fond, c'est l'équivalent de la catégorie 8. D'accord? Mais pour des entreprises qui font de la fabrication-transformation. Je vous disais tout à l'heure, la catégorie 8, c'est l'espèce de fourre-tout dans lequel à peu près on à peu près tout se retrouve là-dedans dans la vraie vie. Donc, pour, des, pour, pour beaucoup d'entreprises, toutes leur grosse machinerie, leurs gros équipements de production se retrouvent en catégorie 8. Puis le taux d'amortissement il, il est très faible, c'est 20 Sauf pour qui? Les entreprises de fabrication et transformation. Encore une fois, donc les entreprises de fabrication et transformation, on leur dit Toi, tes immenses machines et tes immenses équipements, tu ne les mets pas en catégorie 8 comme les entreprises des autres secteurs. Pour toi et toi seulement, il y a une catégorie réservée, 53, et tu vas l'amortir au complet en un an. C'est majeur, ça, parce que ça représente. Avez-vous avez avez une idée de l'ampleur? Les mont des montants dont on parle, des, des fois, c'est des équipements de plusieurs millions, de dizaines de millions. Ça, des fois, ça, Donc, c'est donc, euh, donc, énormément, c'est des coûts très, très, très énormes pour des équipements euh, et de permettre aux entreprises de les déduire au complet la première année. Encore une fois, pour les entreprises de fabrication, transformation, c'est un grand privilège. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte qu'on donne beaucoup de privilèges aux entreprises de fabrication, transformation. Il y a une raison, c'est avoué par le gouvernement. Tout à l'heure, rappelez-vous, au niveau des bâtisses, tout le monde a, tout, toutes les entreprises des autres secteurs amortissent leurs bâtisses à 6 sauf des entreprises de fabrication et de transformation, 10 Ici, les équipements, tout le monde amortit à 20 Sauf les entreprises de fabrication et de transformation, 100 Il y a une panoplie de mesures comme ça, favorables dans la loi de l'impôt pour les entreprises de fabrication et de transformation. Le gouvernement ne s'en cache même pas. Savez-vous pourquoi? C'est pour les attirer. C'est pour les attirer et espérer que ces entreprises-là s'installent au Canada et demeurent au Canada. Et pour y arriver, on pense que c'est bon pour, évidemment, ça crée de l'emploi, euh, c'est super favorable pour notre économie canadienne. Donc, on a tout avantage à avoir une fiscalité qui est attirante pour faire en sorte qu'elles qu viennent s'installer ici. Vous allez me dire, ouais, mais il me semble que les autres secteurs d'activité aussi sont importants. Oui, mais c'est plate à dire, mais ils ne sont pas déplaçables. Le seul secteur que tu peux vraiment déplacer et attirer avec une fiscalité attractive, c'est le secteur de la transformation. Prenez une entreprise qui fait de l'extraction d'or au Mexique. Pensez-vous que je peux l'attirer au Canada en lui donnant des taux d'amortissement avantageux? Il n'y a pas d'or au Canada, il n'y en aura pas. Donc, les, les entreprises du secteur primaire, on ne peut pas les attirer. Ils vont tout le temps être où est la ressource. Une entreprise du secteur tertiaire, ça va toujours suivre la population où il y a de la population, il va avoir des services. Essaye de, de convaincre une esthéticienne d'aller s'installer au Nunavut en lui disant que ses taux d'amortissement sont plus intéressants. Il n'y a personne à, à traiter au Nunavut où il n'y a pas de population. Elle n'ira pas. Mais le secteur secondaire, lui, peut s'installer n'importe où. Une entreprise qui fabrique des blocs de, des blocs de plastique pour les jeunes enfants, là, son usine, elle peut l'installer n'importe où, au Mexique, au Canada, aux États-Unis. Ça serait le fun en Tabarouette qui s'installe au Canada. Donc, un des, un, un des outils qu'on utilise, c'est la fiscalité. On dit à ces entreprises-là, si tu t'installes au Canada, ton, ta bâtisse qui te coûte une fortune, c'est 10 le taux d'amortissement. C'est beaucoup, là. Tes équipements, c'est 100 ton taux d'amortissement. Donc, on essaie de vendre un peu notre fiscalité pour les inciter à venir s'installer. Donc, je suis en la parenthèse. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette, tout ça pour dire oui? Euh, donc, ici, ma fameuse catégorie. Euh, 53, j'avais une FNAC d'ouverture. Donc, ma fameuse découpeuse ici, ma fameuse découpeuse en plastique, elle était déjà dans la catégorie 3. Et j'avais une FNAC à la fin de l'année passée de 42 000. Donc, on repart avec notre 42 000 et on se rend compte qu'on l'a vendue, hein, notre découpeuse en plastique cette année. Donc, ma fameuse découpeuse en plastique, ici, euh, je l'ai vendue 165 000. Ben, je l'ai vendue à un autre, euh, je ne sais pas quel prix, elle m'avait coûté 165 000. Ouais, J'avais vendu effectivement ici, là, 33 000. Donc, je retranche 33 000. 42 000 moins 33 000, il me reste un seul positif de 9 Normalement, je devrais dire, je prends 9 fois le taux de la catégorie. Je, comme, je devrais comme prendre une DPA normale. Mais ici, faut, je m'arrête un petit peu. Je me dis, attends, tu peux voir. Est-ce que je n'aurais pas droit justement à la, à la notion, euh, l'espèce d'ajustement dont on a vu tout à l'heure, qui est le contraire de la récupération d'amortissement, le miroir de ça, la fameuse perte finale? Est-ce que j'irais droit? Il y a deux conditions à satisfaire. Un, tu as un sol positif à la fin de l'année, mais la plus importante, ce n'est pas celle-là, la deuxième. Est-ce que tu as vendu le dernier bien de ta catégorie 53? Si tu réponds oui, tu as le droit à la perte finale. Et la réponse, c'est oui. On le voit ici, regardez, au niveau de mes coutants, j'avais 165 000 de coutants, je l'ai vendu, je n'ai plus rien. Donc, je n'ai absolument plus rien. Je ne possède plus aucune, aucun équipement qui se retrouve en catégorie euh, 53. Donc, pour cette raison-là, j'ai le droit à la perte finale et je vais pouvoir conséquemment prendre ce solde-là au complet et le vider. C'est un ajustement, c'est de l'amortissement qu'on m'accorde finalement, pour lequel ça a été insuffisant dans les années antérieures. Donc, je vais le mettre dans la colonne des, euh, des pertes finales. Ce n'est pas important dans quelle colonne je le mets. Donc, juste... Donc, voilà. Donc, regardez ça. Juste pour regarder sommairement mes résultats. Donc, vous pouvez voir à la toute... Ça, c'est tous mes amortissements que j'ai pris ma perte finale que je viens tout juste de déduire et la récupération d'amortissement sur lequel on doit s'imposer sur la vente de la bâtisse, on l'a vu avant la pause. Et c'est ces montants-là que je reporte dans ma conciliation. Les montants qui sont en gris. Donc, on s'impose sur de la récupération et on peut déduire les DPA normales ainsi que la perte finale. Puis autre chose que je veux vous remarquer, là, regardez, j'avais 10 catégories aujourd'hui. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 10, j'ai eu une récupération, une perte finale, puis 8 DPA normales. C'est toujours comme ça, c'est rare les récupérations. Les, une catégorie ne tombe pas en récupération souvent, ni en perte finale souvent. La plupart du temps, la finalité, c'est de la DPA normale en prenant le taux de la catégorie, en prenant le 150 au bon moment, sur les bons montants. Puis, il faut être attentif pour bien voir passer nos, nos, nos deux mécanismes d'ajustement. Je vous dirais que lui, c'est le plus facile à voir. Quand ta Fnac tombe négative, ça saute aux yeux que ce n'est pas normal. Ça devrait vous allumer. Euh, vous devriez savoir quoi faire avec ça. Et aussi, porter attention au fait que lorsqu'on vide une catégorie, puis que le solde, il reste un sol positif, de vider la catégorie là, sous forme de, de, de perte finale. OK, ben alors écoutez, s'il n'y a pas, pas d'autres questions, tant mieux. Je vais juste prendre quelques minutes avec vous avant de vous laisser aller. Regardez le volume. Est-ce qu'il y, y a quelques petites. Je repasse rapidement le volume, là. Évidemment, pas page par page. Mais juste des petites choses que je veux vous dire. Donc, je suis à la page 130 de votre volume. Je vais juste le passer page par page. Voir s'il y a des, petits, des petites choses que je voudrais vous dire. On a pratiqué beaucoup, là. Euh, au niveau des catégories, juste, il faut, faut que je les lise avec vous là, rapidement parce que, quand même, on ne reviendra pas là-dessus. Là, c'est supposé être connu. Il y en a quand même qu'on n'a pas pratiqué. Euh, donc, les catégories, les bâtisses ici, ça, c'est beau. On le fait. Catégorie 8, on le fait. 10, on le fait. Hein, c'est tout ce qui est roulant. 10.1, on va y revenir. Catégorie 12, on le fait. C'est les fameux logiciels d'application qui vont là-dedans. 14.1, on le fait. C'était les fameux. Euh, notre, tout à l'heure, on avait une espèce de, de, de franchise à durée illimitée. Catégorie 16, catégorie 16, on va y mettre des taxis et des autos de location. Donc, si tu opères une entreprise comme Trifty ou Budget, que tu as un inventaire de voitures que tu loues à des clients, ton, invent, ton, ton stock de voitures euh, destinées à la location, c'est des biens de catégorie 16. Catégorie 17, c'est des constructions de surface. Donc, si tu fais asphalter un aire de stationnement, une piste d'atterrissage, un trottoir, on comprend que le terrain lui-même, ce n'est pas un bien amortissable, mais asphalter quelque chose sur un terrain, ça fait bizarre à dire. Là, la petite croûte d'asphalte, c'est un bien amortissable. C'est ce qu'on appelle une construction de surface. Catégorie 38, tout le matériel de construction, donc tous les, les, tout, ce que les, les, tout ce que les entreprises de construction là, euh, amènent sur leur chantier. 44, on en a parlé aujourd'hui, c'était des, des brevets. Les ordinateurs, on en a parlé. Et les logiciels d'exploitation, le fameux Windows qui va avec l'ordinateur. Catégorie 53, tous les biens de fabrication-transformation qui ont leur super taux d'amortissement de, de 100%. Les voitures, je vais en reparler. 13 et 14, on va en reparler la semaine prochaine. L'investissement, le fameux incitatif à investissement accéléré, on en a parlé en masse. J'ai quelque chose d une autre règle qu'il faut, je vous parle ici qu'on n'a pas vue aujourd'hui. Il existe une règle qui s'applique si tu as une exer un exercice financier de moins de 12 mois. D'accord? C'est plutôt rare, ça, que ça arrive, puis il n'y a aucun avantage à faire ça. Mais dites-vous qu'il pourrait arriver une situation où une année d'imposition d'une entreprise dure moins que 12 mois. Par exemple, tu démarres ton, ton, ton année d'imposition le 1er janvier, puis tu pensais te rendre jusqu'au 31 décembre. Puis là, le 30 avril, admettons, là, il arrive une fusion ou une acquisition de contrôle, peu importe les raisons, tu es obligé de te faire une fin d'année d'imposition. Donc, quand tu vas faire ton rapport d'impôt au 30 avril, tu comprends que tu vas avoir opéré pendant quatre mois et non 12. Penses-tu que tu vas avoir droit aux mêmes dépenses d'amortissement qu'une autre entreprise qui aurait opéré pendant 12 mois? La réponse, c'est non. C'est bien sûr que si tu as opéré quatre mois au lieu de douze, on n'ira pas te, te donner tout, tous les amortissements qui sont prévus dans le sujet 2. Donc, tu vas devoir prendre une fraction de ces amortissements-là. Donc, on doit fractionner tous les amortissements pris par une entreprise lorsqu'elle est dans ce contexte-là, l'entreprise, à savoir qu'elle a un exercice écouté de, qui, dure 8, qui dure moins que 12 mois. Regardez, je vais vous le montrer ici, c'était ça, le fameux x euh, 8/12 ici. Donc, on avait une entreprise qui a opéré pendant 8 mois, donc du 1er janvier au... 31 août, je pense. 8 mois, oui. Jusqu'au 31 août. Donc, si tu opères pendant 8 mois, tous les calculs d'amortissement que l'on a fait jusqu'à maintenant demeurent valides, mais tu dois à la fin faire x 8 12e ici. Donc, tu vas, tu vas perdre un peu d'amortissement. On va, on va euh, proportionnellement, on va réduire ton amortissement pour tenir compte du fait que tu n'as pas euh, opéré pendant 12 mois. Sans ça, ça serait bien trop avantageux. Imaginez, j'opérerais pendant un mois, j'aurais le même amortissement qu'un de mes concurrents qui a opéré pendant 12 mois. Ce serait vraiment abusif. Donc, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut être. Cool. Donc, il faut juste se rappeler de, cette, de ce fameux contexte-là qu'on appelle des exercices écourtés ou des exercices de moins de 12 mois. Autre règle, toute nouvelle, toujours à la page 142, ça s'appelle la passation en charge immédiate. C'est flambant neuf d'avril 2021, en temps de COVID. C'est une mesure temporaire. Vous voyez, déjà, sa mort est déjà annoncée. Donc, c'est valable deux, trois ans, d'avril 2021 jusqu'à 2023, parce qu'en 2024, ça va être fini. OK? <laughs> Dans le fond, là, la, vous allez comprendre pourquoi, là, mais. Au fin du cours, on fait comme si ça n'existait pas. D'accord? Parce que ça anéantit tout ce que je vous ai enseigné. La règle, là, elle, elle dit à toutes les entreprises au Canada, là, okay, pour une certaine période, pendant, vous voyez, là, pendant quelques années, à chaque année, sur votre premier 1,5 million de biens amortissables que vous achetez, vous pouvez le passer en charge au complet. C'est cet achat-là qui, jusqu'à la hauteur de 1,5 million de dollars. Par année. Donc, chaque, pour chaque année, là, 2021, 2022, 2023, à chaque année, ton premier 1,5 million d'achats de biens amortissables, au lieu de le faire passer dans les comptes entiers comme on vient de le faire depuis une heure, tu le passes en charge au complet. Ben, ça revient à dire que je plus le sujet 2. Tout ce que j'enseigne depuis une heure et que je vais enseigner la semaine prochaine est comme suspendu ou non, non intéressant. Pour deux, trois ans, on s'en fout de la récupération des pertes Ça n'existe plus, là. On passe tout en charge. Fait que je me suis dit, dans le fond, si on appliquait ça, ça serait, le sujet 2 va prendre deux minutes, puis on, vous allez toujours passer en charge vos, votre premier 1,5 million d'acquisition. Puis en plus, ça ne serait pas vous rendre service, parce que ça va disparaître. C'est temporaire, ça. Quand vous allez revenir sur le marché, arriver sur le marché du travail, il va falloir vivre avec les règles normales des biens amortissables. Donc, conclusion, on fait comme si ça n'existait pas. OK? Donc, ça, là, on fait comme ça n'existait pas. Et partout, 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 ça va être écrit. Je vous le dis, à la question d'examen, là, écoutez-moi, à la question d'examen, quand ça va être dit, je vais vous donner un, un cas, puis je vais vous demander de calculer l'amortissement, là, ça va être écrit en gros, « Veuillez ne pas appliquer la passation en charge immédiate. » Je vais le répéter. Sinon, à l'examen, tout le monde me passe ça, va dire, ben, « ton acquisition, passe-la en charge. Ton acquisition, passe-la en charge. » va être plate, notre examen. Donc, je vais l'écrire en gros, là. N'appliquez pas la passation en charge immédiate pour qu'on s'en tienne à nos règles ordinaires, qui sont euh, ordinaires et permanentes là, en matière de... de... Donc, donc, partout, je marque ici, là, regardez pas une SPCC. Donc, parce que la fameuse mesure de 1,5 million, ça s'applique aux sociétés privées sous contrôle canadien. Donc, si une, une compagnie n'a pas le statut de SPCC, elle n'a pas le droit à cette super règle-là de passation en charge immédiate. Donc, j'ai marqué ça partout pour qu'on s'enlève ça. De, de, ça va être écrit très clairement à l'examen, je le répète. Il y a un petit exemple ici à la page 147. Vous voulais regarder un petit peu à quoi ça ressemble là, pour aller le voir. Perte finale. Récupère son amortissement. Tout a été dit. Bingo, terminé.